Bio Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le Bio Cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4E3H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Janvier 2023, numéro ya Sika ya Pona Congo, ba mama batata ba ndeko bilenge, ba na mboka Congo, mbote na bino pe boye bolamu na manaka ya Pona Congo, ya moko na lelo, mbote na bino na sepeli koyeba ke bozali ebele kolanda biso de partout dans le monde. Merci pour la confiance renouvelée. Bisika pito ya kolobela o etali bongo ba question patriotique, ba question o ezota la bongo République démocratique du Congo. Le lot spécialement donc réfléchir sur Mutuna Moko, pourquoi Congo n'a biso ezali ko mais la cause en vol top ezali bongo ko kende liboso te nini ezali à la base ya retard na biso lobi eleki to commémora qui le 4 janvier to célébra qui to peut commémora qui journée à ba martyr de l'indépendance kasi kino lelo 64 ans après, Nini Salemi, Nini Salemi Tienambo Kanabiso. Pourquoi est-ce que Makambu Ezali Bongo ko évolué te Nini Penza, Tope Nani Azasima, Ya Makambu Ezali ko Salema? Est-ce que Zali l'homme politique congolais, Tope l'homme congolais en général, Tokolo Belayango, na ba domaine presque nyonso? Pourquoi Makambo ezali kokende liboso te, pourquoi to lobelaka mingi ba élection na place to lobela développement, pourquoi to zalaka na batango te ya kovanda sur makambo etali bongo mboka na biso ndenge nini kokende liboso, mais to zali bongo kotikala beaucoup plus sur ba débat ya ba individu nini ezali kosala que to zala toujours na retard to komeka ko répondre na motuna wana na bandeko toza na bango awa moko na lelo toza bongo na ndeko Christian Mayasi wazali bongo moko ya lisanga politique ensemble pour la République tozo senga déjà mwana mboka koki kopusana mwana mboka mbote pe bwe bola mbote maman Naomi mbote na ba congolais nyonso bazali kolanda biso de partout na profiter na pesa ba mère vena ngana population congolaise Mobimba de partout, particulièrement dans le district Yafuna,
on a zali kokamba na kati ya parti tokosenga na moment oyo population a kende ko s'enroler na ba bureau o ezali pembeni pour que bazala capable ya ko voter na élection ezali ko ya bon lissement politique na bino après congrès. Bon, si ma congrès parti ezali malamu topona ki na kati ya congrès mwana mboka Moïse Katumbi pour que azala candidat oyo komemela biso changement na kati ya ekolo. Donc, tu zongi siko, tu bandi moussala, ya ko implanté parti, ko continue implantation à parti, et puis, adhésion, n'est-ce que tu veux dire, ça habituellement. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Providence Lukuli, Azali Bongo, activiste pro-changement, Azali Ndeko ya Asha, qui déjà, ko poussana, moi, la mboka, mbote, pebo ebola. Mbote, moi, la mboka, Naomi Pila. Na ko profiter na occasion ya repesa pe mbote na ko débatteur na nga ba téléspectateur banso pe ko souhaiter joyeux anniversaire na bokulaka mwana mboka Christian Bosembe pour précéder biso oyo wapi na ko pesa témoignage ezali vraiment vrai na 2017 mwana mboka Christian Bosembe to ala ina conférence moko oyo azala ki bongolan des orateurs. A quoi il s'agit que non, il y a les opposants. Bon, toi là qui n'a aucun moi, mais comment est-ce que vous allez journaliste, il s'agit que vous allez opposants. Et puis si ngai, toi et bici biso était opposition naie, ils allaient par rapport il y a optique moderne actuelle où il va classaka en termes il y a majorité où ils allaient classe dirigeante na opposition et tout ça non, mais à côté de la contre courant contre les antivalères. Et alors, nous avons profité de l'occasion pour nous faire un peu de à combattre l'antivalère, le lingue, le aloba, et à mener le combat toujours. Très bien. Joyeux anniversaire, na promoteur, il y a Congo Post Télévision et président, il y a CESAC, maître Christian Bosembe, qui simboule mon corps, toujours célébré. Il y a Lélo, tout ça, on dirait qu'il y a Montaigne, il y a Congo Post Télévision, des coignons sacrés, à rejoindre Abusso au cours, il y a émission, il y a Lélo. J'espère que vous allez combattre, vous allez avoir vraiment réflexion. Na mozindo mingi pour toujours qu'il y a une élection, oui, c'est vrai, tout change à bah régime, toujours changer, bah tout, toujours voter. Mais qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas au fond? Qu'est-ce qui fait que 64 ans après l'indépendance de notre pays, tout est avancé? Ni ni aux autres, ni aux alliés. Na mais ça, c'est l'émission. Oh, na bino, bah na mboka, Congo. Oui, comme il a biso, na bah commentaire pour na quoi il a biso. Ni ni penza aux autres, ni ça pour na mboka, Congo. Pourquoi toujours évoluer? Pourquoi toujours avancer? Pourquoi retard yamaka sur presque tout le plan, pourquoi à table fort réseau salema des lobby et les kimicole les cutoyo qui s'en va détourner mambo et kei donc presque toujours vivre comme makambo moko moko pourquoi à table fort réseau salema interne même makambo zo évoluer donc kolobe yango ko ya émission à mokona lolo na tienne de kopembeni awa parce que j'espère qu'aza politique té aza activiste lié à kolobe la marmetal j'espère qu'il pas à naître bande quoi politique bon za ngambo poto lobe la vraiment polele makambo ezo simbaté yambo de quoi union sacrée à rejoindre Abisso, mon amboka Christian Mayasi, lobby l'équipe, to célébra qui bongo, to commémora qui journée, y'a pas martyr de l'indépendance, signification à journée, on a pensé panabino, to pe panayo, personne ne m'a. Bon, signification à journée, on a, bon, to ebi que le 4 janvier 59, na la Bako, si je ne me trompe pas, a organisé une manifestation politique où ils allaient qui réprimer à l'époque et bande de Bélé ba tangi ça qui makila na bango pour réclamer justement indépendance. Donc hier nous avons commémoré cette journée Bisso ensemble pour la République aux allaient na imka lobby. Non, la jeunesse de notre parti a organisé une matinée politique toujours dans le même sens. Donc pour na Bisso, c'est une journée vraiment ils allaient qui journée Moro et déclencha qui des actions qui ont amené jusqu'à l'indépendance que nous avons obtenue en 1960. Mais, Mawa Ezali Kakake, depuis l'indépendance de notre pays en 1960, Tilelo, Ezali Komona que nous n'avançons pas. Ce qui n'a lobby, nous n'avançons pas, ça signifie que
biso en tant que population, nous n'avons pas cultivé le sens de la responsabilité. Donc, au commun, on a niveau, en tant que nation, tous à la responsable, il y a destin à bisoter. Et erreur, on a un pays africain et belé, baso salayango, que notre solution ne viendra que de l'extérieur, pendant que nous pouvons travailler biso moko pour emmener ces pays ou ce continent vers un développement durable. Donc, ce qui est au même sur le plan des infrastructures, sur le nombre de kilomètres de routes que les Belges nous ont laissées, Bissot au Baki, c'est combien? Sur l'exploitation de nos minéraux, qu'est-ce que nous avons fait de ces minéraux-là, Kobanda 60 jusqu'à ces jours? Qu'est-ce que nous avons fait de notre jeunesse? Surtout que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse congolaise. Ce qui au Moni dans les années 60, les Lumumba, les Mobutu, les Tshombe, ils avaient à peine 30-35 ans. Mais t'as la jeune il y a 35 ans, il y a Congo, Lelo. Est-ce qu'on peut confier aujourd'hui le destin de ce pays à notre jeunesse ici? Moi, je pense que c'est vraiment compliqué. Donc, nous devons travailler parce que le travail, c'est ce qui fera assez que Mbo Kanabiso et Zoua allure, il y a développement au Sengelito Zela réellement. Donc, il faut travailler sur la jeunesse. Mais est-ce que je n'ai un exa sous la sens, les lots, Ningetozo, célébrer un martyr indépendance, est-ce qu'ils nous ont quand même servi à quelque chose, balégué, biso quelque chose, biso le lotozo bénéficier là? Bon, on a Ozoyango, on a deux volets. Au Moni, la journée du 4 janvier, même dans la célébration, ça devient tout simplement un jour férié. Ok. Donc, il n'y a pas d'histoire, même j'ai suivi quelques chaînes de télé hier, c'est à peine qu'on parle un peu de ce qui s'est passé ce 4 janvier 59. Donc, il ne suffit pas seulement que ce soit une journée où on reste à la maison pour ne rien faire, mais plutôt utiliser cette date-là pour apprendre à notre jeunesse que voilà, il y a eu des gens qui se sont battus, qui ont fait couler leur sang pour que Mbo Kanabiso et Kende na développement. Très bien. Tous les gens de la Union Sacrée ont rejoint Rabiso. Maître Gauthier Sompambou, Azali Bongo et l'Isanga politique ACP. Tous les gens déjà à Poussana. Mon amboka, Mbote Pé Bébola. Mbote Maman Naomi, Mbote Nava débatté tout côté de la plateau. Et à Tongualelo, mes pensées vont tout droit à la partie Est. Nous avons bien attiré sur le bord pour que Kimia écoute la partie Wana. Merci pour votre invitation. Très bien. Tout le monde a réfléchi sur pourquoi Mbo Kanabiso Kende Libo sauté hier, les arrêts qui le 4 janvier, tout célébré qui va martyr et indépendance, autolobi 64 ans après, Nini et Salmi, Nini et Salmi, pourquoi le Congo n'arrive pas à prendre de l'envol. Merci beaucoup, Madame Naomi. Cette question, ça, il faut le réfléchir dans Ey Moussous, parce qu'aujourd'hui, comment on a battu, on a sacrifié la vie pour tout la liberté au toi dans le et ça il faut tout rendre bango ba hommage moko le plus différent parce que ce qui bango na abako 1959 wana basala qui est fort terre ba lelo il faut tellement pas ba non na dictature non na intimidation non na toute autre anti valeur et ça bato lelo il faut tout rendre bango ba hommage moko le plus différent comme je le dis et on est la fruit même il y a combat. On a dit que les gens qui ont été en pouvoir parce que les gens qui ont été critiqués parce que les gens qui ont été parce que les gens qui ont été fruits ont été indépendants. Il y a toujours quelque chose, Madame Naomi. Si les gens qui ont été échoués, c'est la paix. Donc, on a perdu beaucoup de détermination. Nous, le lot, on a fruit, il y a quatre, il y a liberté d'expression, il y a un peu de la démocratie. Parce que, comme ça a été 18 ans passés, il y a un peu de les kabilistes, il y a un instauré encore Mobutu D. Parce que, il y a un peu de la liberté d'expression, il y a un peu de la liberté d'expression, il y a un peu de la liberté. Mais le lot, il y a un peu de la liberté d'expression. À travers ces débats, au Bunda 2059, au coup de martyr de l'indépendance sur l'élo, il faut instaurer l'état de droit, il faut instaurer la liberté d'expression. Il y a mon ingal l'élo dans cette thématique, Madame Naomi, n'a pas si mal de quoi un coup de chapeau parce que bon qu'on a bissé l'élo, tu as débit d'avancement. N'importe à certains concepts. Déjà. Déjà, je vous dis parce que Madame Naomi, vous allez vous contredire ingaté parce que sur cette analyse, il y a 18 ans passés, parce qu'avancement, ça a quitté.
Na mo konza moko le Félix ayina pouvoir moko moko Félix santo etike tu lomba ayina pouvoir a instauré quelques concepts liés ya fruya bitumba na 1959 entre autres la liberté d'expression aujourd'hui le sauté na ba télévision ba ko leka ba ko critique sur moko konza mboka ça même être dérangé le sauté ba tu ba ko leka mutako lwane ce qu'il veut dire c'est parce que aujourd'hui chef d'état a installé liberté d'expression a installé paix état de droit parce que à l'époque c'est là qui si tu es des Kabila, donc tu ne peux pas être touché. Donc, yo pour yo, bandit, il y a développement, il y a liberté d'expression, na démocratie, mais, et mais, état mais de droit. Madame Naomi, on ne peut pas parler d'un développement dans un pays. Ça parle de la liberté d'expression, ça parle de la démocratie. Je ne sais pas si vous parlerez de développement à titre économique ou à titre social. Moi, je parle du combat des gens qui sont déterminés pour dire non à cette dictature. Voilà pourquoi moi j'ai réfléchi à ce sens-là. Voilà pourquoi j'ai dit, arrivé à mon grand amour, Félix, Antoine Tshilombo, quelques concepts, vous avez qui fouillent à Bitumba, à l'Obi, le leur trouver réponse parce que mon grand amour, Félix, a un pouvoir. C'est ça là où il faut réfléchir. Si nous voulons réfléchir ce combat-là, au Bandanamso, Bako, Babundak, pour dire à Mobutu que non, nous devons nous exprimer. Non, nous devons dire non à cette dictature. Aujourd'hui, Bitumbana, et je réponse arrive à Mokozamboka, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Très bien. Mon Amboka, Providence Lukuli, yo particulièrement to bengishio parce que vous avez la même forme de combat. Hein, de l'autre, vous célébrez le martyr, il y a indépendance 59, mais Nathan, on a vu ce que vous avez dit, Kendi Bakenda, Thérèse Kapanga, Bakenda. Yo particulièrement, est-ce que le combat n'est pas fruit nango? Est-ce que le Congo est réellement indépendant? Naomi Pila, na kio kotanga ba martyr ou ba uti koti kabiso ne tumba me sengel nango ba kisa mwana mboka da vinkalala oyo azala ipe je dirais même tiwe en pleine manifestation par milice ya Union Sacrée. Et alors ya mbona kota na fond ya réflexion na ngai. Et c'est que d'abord, je vais vous répondre à quelques mitouna, quelques dérapages d'idées na yoki na kati ya platoa. D'abord, je vais vous dire ensemble, et tant que jeune, à tout mitouna, ce qui est que na biso to confier ba responsabilité, to gestion en boka na bilenge lelo. Moi, je pense qu'il y a quand même de jeunes qui se battent matin, midi, soir pour le rajeunissement de la classe politique. Et ce qui toko bunda et alité pour na toali ce qui ba incompétent toko bunda parce que nous avons cette compétence. Et moi je pense que il y a une couche de jeunes au bazali marginalisés, mais au-delà de ça, il y a quand même des jeunes qui sont consensiés. Et alors par rapport à ndeko na ngai, il y a Union Sacrée akotuna emoko to alobia wa emoko ke liberté oyo tozana yango lelo yo tout ça donc namoni vraiment à chanter liberté trop qui est une chose mais après emoko ayesu ko se contredire en disant que non ben un peu de la démocratie ben OK mais je voudrais simplement te rappeler 18 ans oyo critiquer la gestion il y a régime passé et ça autorité morale na yo ngobila faisait aussi partie. Il fut l'un des commissaires généraux, il y a Yumbi, Ngobilawana, sous l'Union Sacrée, FCC Cash, Azali gouverneur Amboka OEP, Asima ba fonction Ebele, sans compter même na bureau politique qui a peut perdre. Donc, c'est à vous d'engager cette responsabilité à 18 ans. 18 ans, wana, mon Amboka Kabila travaille qui est mon côté. Bien, pour na ozo nga na question na yo, mon Amboka Naomi Pila, Yali pasi pe mawa. Yali pasi pourquoi tonto ko célébrer journée au yo le 4 janvier biso ba misus to ko le la. To ko le la pambate ba kolo na biso to ba perte de l'indépendance ba bunda ki po changement e kota. Changement yango il fallait e passer na avancer, c'est-à-dire que ça soit au niveau social, que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau économique. Et lelo oyo plus de 60 ans passés. Est-ce que résultat est escompté? S'il faut tout ça, la bilan, to où tu wapi, to komi wapi. L'homme blanc, oh, est là qui comme astis, que non, ceux qui t'ont connu comme Ali Po na mon délai,
mondele a kosa la discrimination alingi sika boe moto mwindo a komate alingi fonction boe moto mwindo a salate mais lelo qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que ezali égocentrisme à l'homme politique qui est noir, qui est congolais comme nous? Il y a des motos qui maltraité Bisso. Dans ton langage, Bobumba, Mindele, tu as un Bobumba. Effectivement, mon Lamboka, tu as lu Awana, Obabengaka, une domination politicienne, marginalisation politicienne. À l'occurrence, le lot 4 ans, union sacrée a marginalisé Bajen. Ah bon? Mais je t'ai dit tout ma chef de l'État a nommé Bajena wa tozomona. Je t'ai dit tout à fait Union Sacrée fait partie ya bate oyope lelo ba convoité bozuya mboka. Donc bazai na opposition ba wende koloba nini. Papa Etienne Tshisekedi atikeli biso testament visuel oyeko tambola lelo na réseaux sociaux. Mboka ekufi likolo ya kimoibi. Mais lelo to koyoka nini. N'est-ce pas que ce sont nos propres dirigeants? Ce n'est pas seulement de Rwandais qui convoitent nos richesses, mais n'est-ce pas que aujourd'hui, même ba o ba ko kamba bango wanande ba ko sa trésor public, bango wanande lelo ba ko marginaliser bilenge, ba ko s'en foudre na makambo etali éducation, na makambo etali investissement en termes de développement agricole et tout ça. Donc pour vous dire que le problème aujourd'hui c'est l'homme congolais. L'homme congolais principalement. Principalement le politicien congolais. Très bien. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas changer? C'est la question qui est dans ma ponomie. Pourquoi ne pas chercher Batumi Soussou? Est-ce que Batumi Soussou sera envoyé un changement? Il y a un peu mon tout. N'importe où changera même. Il changera. Il y a une question. Pourquoi toujours changer, mais toujours changer Bat? Mais le problème est où mais la carandengue moko ndeyo wana nde motuna na zotuna. Deuxième question, la biso erozala beaucoup plus principalement sur dossier ba détournement. Mais en boto kende na dossier ya détournement na ina tuna motuna par rapport ya ezo freiner développement mon mboka Christian Mayasi bino bozana na ensemble pour la république nde ko Moïse Katumbi ya ko ya pona ko changer akoya pona ko longola misère akoya plan na eza nini nini zona ko freiner développement na biso o yeta akoya ko longola sans pourtant faire campagne na bon ce qui freine le développement. Parce que Bisson ensemble pour la République, Tolo Barake, on ne peut pas bâtir un nouveau Congo sans une justice responsable. Tout le monde a dit que Bisson a une vidéo, on a dit Willy Bakonga, na base na en Équateur, à l'objet de Kazaki, on a dit Félix Tshisekedi Mutabimi Saï. Donc, lorsque nous parlons d'une justice instrumentalisée, Moïse Katumbi, il rencontre du n'importe quoi. C'est sorti de la bouche de Willy Bakonga. Ngana eteni longondo, tozalaki na boloko, ndeko Félix Tshisekedi abimisi biso. Donc nous voyons que lorsque le président de la République a de l'influence sur la justice, on ne peut pas parler d'une justice d'une justice équitable. Et puis, Ndeko Nangai Oyo Azapembeni a lobby na biso que, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, Makambo changé. Quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, Gentini Ngobila, le jour de la prestation, il y a Ndeko Félix Tshisekedi comme président de la République, Gentini Ngobila était dans quel camp politique? Il n'était pas de l'Union Sacrée, il était du PPRD, puisque Gentini Ngobila a été élu gouverneur pour le compte du PPRD de Joseph Kabila. Il a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa dans le label il y a PPRD. Gentini Ngobila a battu campagne pour Ramazani Shadari. Donc, quand vous dites qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, l'état des droits Koti, Toyebi, on connaît la stratégie de l'ACP. Faire des yeux doux à Ndeko Félix Tshisekedi pour que moi, ma faveur, c'est ça l'Union Sacrée. Biso, toutikuna toyebi. Oh. Oui. Toutikuna, balobarage, ce qui, ngwando, aebi, si yo, kembi, si yo, bela, ndime, la, epo, bangon, yon, so, bavan, nan, anaste, amai. Nous venons de l'Union Sacrée, c'est une coquille vide. Et l'eau, ma longue, za, kunate. Mais, bino, pe, bozé, la, yika, 4 ans, 4e année, po, bobi, ma. Biso, to sali, 4 ans, biso, to sali, 4 ans. Et puis, faut que, yeba, que, biso, to yaki, na, Union Sacrée, na, appel, yan, Ndeko Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi a une union sacrée, n'a bon vouloir na yé. Ndeko Félix Tshisekedi était en difficulté face au FCC, il a fait appel à nous. Toyaki, avec nos 70 députés,
nous avons joué un grand rôle pour que la majorité de Kabila avec Mabunda dans l'Assemblée nationale soit basculée. Pendant ce temps-là, Bandeko Moussous, Bandeko Mona, qu'il ne fallait pas venir dans les. Nous, on est venus. Étant Otoye, on a vu que Nakatia Union Sacrée, les choses ne marchaient pas selon le vouloir et le peuple. On a claqué la porte de l'Union Sacrée, Tokei. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme de Jimmy Kitenge, qui a été arrêtée il y a plus de 3 mois, dans le bâtiment ici, si le motif d'arrestation n'est pas payé, ça a été. Est-ce que Ndekonanga et ACP peut aller dire aux enfants de Jimmy Kitenge que dans ce pays, il y a une justice? Donc, on a dit que ils ne sont pas mieux placés pour parler de la justice. Oeza courte joie. Kimbuta avait Renovac. Quand Kimbuta n'est plus gouverneur, Renovac est à la rassoute ce parti-là. L'ACP disparaîtra le jour où Ngobila cesse d'être gouverneur, il y a Villa Kinshasa. Ah bon? Oui. Madame a enregistré cette émission. Kimbuta nous a vanté ici le Renovac, Rassemblement de novateurs du Congo, jusqu'aujourd'hui. Ce parti n'existe presque pas. Et Koufa, il est même retourné au PPRD. Donc, l'ACP n'a aucune leçon à nous donner. Eux, ils doivent avoir honte, surtout de la gestion de la ville de Kinshasa. Mboula, soke Betty, on voit les images. Ngobila n'a plus rien à nous démontrer. Tout comme on avait l'élection. Sûrement, Tokobimisa va députés provinciaux qui vont élire un gouverneur qui sera responsable et aussi la bisou Moussala ou Bakinois Bazarose. Très bien. Moi, la boca Gauthier, Maître Gauthier, Ndeko, ni négoz à la penza à la base pour tout ce que tu l'obignons, solo penza, tout ça la moins retard, mais qui m'a dit que ça la moins retard, mais ni ne penza à la base, il y a retard, n'abisso, ce qu'il faut qu'on réfléchisse en sens ou en. Est-ce que c'est l'homme politique congolais ou l'homme congolais en général? Parce que Kobimane n'a pouvoir, Joseph Kabila Lobara, qui a changé mentalité à l'homme congolais. Est-ce que on a pour que vous avez un mot, frère, ou ils ont ça la que tout qui ne penza les bossots, t'en dites, comme si je veux évoluer. Merci beaucoup, Madame Naomi. Mon émission est à coûter Monsieur Bandi Mabé. Je ne comprends pas la thématique. Bandi, on a votre question. Je vais vous répondre à la thématique. Mon côté, dépôt tout n'importe quelle question. Tiens, on s'imagine pas d'ailleurs. Tiens, tout n'importe quoi. Bah, vous répondez. Bah, vendredi, quand on coupe, bah, tout qui n'a-t-il pas été vidé. Son bouquet bon côté parce que les Katumbi, les étrangers qui veulent diriger le pays. Si le pays ne veut pas changer aujourd'hui, quelqu'un qui est étranger. Papa juif, maman zambienne, il vient être candidat de la République. Candidat président de la République. Juif, il a la nationalité. Vous comprenez? Moi, je vous dis. La religion. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans quel pays? Dans quel pays? Habité. Dans quel pays? Les juifs sont habitants de quel pays? Oh, s'il vous plaît. Là là. Les juifs sont habitants de quel pays? Vous êtes ridicule, monsieur. Oh là là. Si moi, je parle. C'est pour dire ceci. De quoi porter aux corrections, dis-moi d'abord. S'il vous plaît, monsieur. Bon, ça aussi, c'est un lobby. Je vous en prie. Voilà. Dans un des qu'on ne connaît pas la dette de 4 janvier 1959, il ne connaît même pas l'histoire politique. Il ne connaît pas l'histoire politique de ce type. Il vous dit non. L'objectif est avoir le développement social, économique. Il ne connaît même pas ce qu'il parle. Quelle était la mission de la BACO de 4 janvier 1959? C'était quoi la mission? N'est-ce pas obtenir l'indépendance? Il vient, il dit, il porte aussi les drapeaux congolais comme un homme sérieux, devant les plateaux sérieux comme ça. Il dit non. Et ça qui social, économie et autres choses. Non. Ici, la question était que la BACO devait tenir un meeting populaire. Dans le stade, Mobutu avait interdit. Mobutu avait interdit, Mobutu n'était même pas président. S'il vous plaît. Il faut noter. Lorsque interdit meeting, on a pas de c'était pour obtenir en réalité l'indépendance du Congo. Vous comprenez? Deuxième chose, je viens. Il vous dit dans un mensonge écrasant, non, chef de l'État Félix ne considère pas la jeunesse. Le chef de l'État ne prend une ordonnance normalement presque dans toutes les entreprises du pays, bah, jeunes congolais. Ce qui est un cas purement particulier. Donc, ce qui est une histoire, ici, nous disons kabilisme, c'est un système. Vous voulez particulariser le débat. Ici, tout le bis, c'est le système instauré du jour passé. C'était un très mauvais système qui ne permettait pas le développement de la Katembo Konabiso. Mais comment c'était un gobelet alors que tu vas gérer ma TBL? Non, c'est ça, haine parce que vous avez perdu l'ACP. Oh. Et Ndongo Nanga, il a très mal cité. Il a très mal cité. Dit ACP, c'est comme un dieu dans un plateau. Et dans un Zambé, vous voyez, ACP, au coup, façon, vous avez gouverné la ville de Kinshasa. Non, monsieur, je vous informe. En 2023, nous avons arrivé dans ces plateaux.
C'est parmi les partis politiques qui sont députés Bélé, et puis c'est la responsabilité dans ces pays. Je les forme. Parce que je ne connais pas comment la CV fonctionne. Mais vous dites encore grave que les chefs d'État influencent la justice congolaise. Parce que Willy Bakonga a dit que les chefs d'État Missinga. Non, n'oublie pas que les chefs d'État, dans ses prérogatives constitutionnelles, peut prendre une ordonnance pour nous. Comme ça, on a raté la prison. Il n'est pas interdit. Il n'est pas. Non, je vous donne que. Et c'est interdit. Oui, la ordonnance de Missy Willy Bakonga a été. Mais apparemment, les coups de bataille d'aujourd'hui, Bakonga, c'est trop. C'est-à-dire qu'il va se faire associer les gens qui ne peuvent pas profiter. Mais à l'époque, à l'époque, le ministre de justice, il a dit que ça va être un peu. Moi, j'ai dit ceci. Mais le roi, mon ami, a dit que le président de la Bimisaki. Madame Naomi, moi, j'ai dit ceci. Les chefs d'État dans ses prérogatives constitutionnelles peut prendre un sport, mais ça me donne la prison. C'est que moi je t'ai dit. Si le ministre de la Justice à l'époque, avant l'ordonnance présidentielle, c'est à Touvarango, pour que William, ce type puisse aventurer à l'Est, des zones dans mon tour, Willy Bakonga, Abima, est-ce qu'il y a des problèmes? Les chefs d'État avec la justice, ouais. Autre chose. Mais moi je dis, si Ngobila était hier avec Kabila, aujourd'hui il est avec le président Félix parce qu'il a suivi des valeurs, également. Il n'est pas intérêt quelqu'un qui était dans un parti politique à un parti politique. Mais je ne peux pas laisser comme ça, Madame Naomi. Qui est Katumbi? Katumbi était le premier bénéficiaire il était de Don Mboko par le président Félix. Katumbi a dit Mboko. On va priver qui est tout, même les passeports, même autre chose pour être en Mboko. Katumbi, le chef de l'État, a pris la décision. Kozongi, ça y est, parce qu'il a estimé que c'est qu'il récupère aussi mettre la pierre dans cet édifice pour tout avancer Mboko. Mais il vient. À la fin du mandat, il dit non. J'avais soumis un cahier de charges. Le chef d'État n'a pas respecté. Est-ce qu'il y a un individu à soumettre un cahier de charges de Bambo Gozamboka à Selongo à 100% selon ma conviction là. Et quelqu'un pareil, qui a une nationalité douteuse. Parce que le juif était passé, juif c'est une religion. Nous concédons. Tout le monde a une nationalité douteuse. Parce que Bambo Tangamingi, nationalité douteuse. Dans un état où Balobi a été septembre à conseil lobby pour être congolais. Pour être président de la République, quand un président de la République est congolais d'origine. Si maintenant Katumbi s'en pose problème, par contre, il m'a dit candidature a été. Donc, on ne demande pas pour candidature à Katumbi, il ne sait même pas de servir au niveau du secrétariat. Oh. Mais je vous dis. What is a projet à Union Sacrée? Non, pas projet à Union Sacrée. C'est-à-dire que les conditions de fond pour déposer candidature à Yo, il faut respecter ce qui est dans la Constitution. Katumbi va respecter en côté, comment va recevoir candidature? Vous avez gouverneur en dernier? Non, mais pour être gouverneur, tu peux être aussi. Nationalité par acquisition, tu as n'importe qui peut être gouverneur. Ouais, tu peux acquérir la nationalité congolaise. Vous copiez combien? Le président de la République, non. Non, le président de la République, non. Sur base de quelle loi? Non, j'ai dit article 70. Lisez l'article 70 de la Constitution. Ça, c'est la magie du droit. C'est pour dire que Katumbi, le peuple aujourd'hui, n'a pas vraiment comment donner des leçons. Parce que nous avons vu aujourd'hui, quand la Moussalon Ndeko, qui a voulu la scène à Lubumbashi, n'a trois azures, plus bon que Katumbi pendant 12 ans. 30 secondes, ma question. J'ai fini. Ma question. Non, je n'ai pas. À la fin, il dit non, plus il est dans Kinshasa, et c'est gentil, Ngobila. Non, il faut comment l'État fonctionne. La répartition des compétences entre le gouvernement provincial et le gouvernement national est dans la Constitution. Pour la droit, qu'on a une érosion. N'a pas été gouverné la ville à Kinshasa. La société est érosion. Oh là là. Oh là là. Non, Ngobila, une route qui est confiée entre les mains, il y a société Sopako et Sheba Chinois, pour que Bamba sera péage et Boukani, Ngobila doit partir. N'est-ce pas ça? C'est une mauvaise foi, Nachiba Ndekonabiso. Et l'élo, pour la conclure l'intervention, madame, Mboka Oyo, nous devons sauver ce pays. Bandekonde Tiba Katumbi, Obana nationalité douteuse, Babo la juive, parce qu'il va baiser la religion, de concéder. Et ça n'a pas problème parce que si nous ne voulons pas changer les individus et qui ont la santé douteuse, tu as un problème. C'est l'histoire politique en Mboka Oyo. Les présidents qui ont de la santé douteuse, bah, tu as un trou. Lorsque vous tirez les Katumbi, vous pensez que vous serez développé? Je ne crois pas. Très bien. Merci beaucoup, malgré répondre à la question. Deuxième question, deuxième sujet du jour, éclairage sur le dossier de tournement sur le 102 millions du projet Tchéjezelou. Selon l'information, Pessibus Balobi Kezaki détourné T.
Le fonds sont logés au FONER. Les travaux traînent à cause de problèmes logistiques qui rencontrent Grec 7. Certains engins arrivés à Lubumbashi n'ont pas encore été acheminés vers Mbujima et Saint-Lon. Moutoumou a approché à dossier d'APC information. Mais bien sûr, il y a un éclairage et ça m'a pas. Chef de l'État Zongi a auto fêté Naema Zongi très déçu pour ma ramé. Salimi Kuna, et moi, Mingi Malam Malamouté, dossier détournement. Moi, la Mboka, Providence Lokouli, Tozongana yo, na dossier Oyo, il y a détournement plus de 102 millions de dollars. Tout sur l'état de droit. Le loyo, Mbongo, et Kei, et puis ce qui est acquis, mon sol à Ram. Ram, non, nous a la clarté. Bah, même y'a un bougemaï. Et ça se détourne. Mais votre lecture par rapport à ces dossiers, rapidement, vous avez 4 minutes. Merci beaucoup, madame. Si vous pouvez me permettre, mais quand même, pour réagir par rapport à bas propos erronés au Naotukoyo Kana Plateau. Ah ouais, et celle n'a pas si mingi. Qu'on a trop de prétention. Or, en réalité, dans le fond, Azali n'a pas confusion énorme. Tant que nous avons eu l'ACP, nous avons eu l'histoire de Bako, que les Belges ont interdit la manifestation. Mais je vous dis l'histoire politique. Les 4 juin 1959, on a interdit la Bako à la meeting par les Belges. Bako, tu es là, Mika. C'est l'histoire politique. S'il vous plaît, madame. Ah non, là c'était. Non, non, là c'était. La personne qui prétendait connaître l'histoire à quoi il s'est été Mobutu. J'ai dit là, c'était là. Interdire Nini. Est-ce que la ministre allait vous là à interdire Nini. Passer à l'essentiel. Donc beaucoup sentir était Ali n'a pas confusion énorme. Peut-être qu'on va colober été à Bako Baboué qui meeting naé. Maintenant, qui copé ça, on a date. Donc, on peut a raison. Oui, c'est là qui était Babo. C'est là où j'attends, mais allez-y. Donc, pour te dire, raison, na conférence d'Accra il y a 1958 noté donc au koyé ba makamouté au koloba wali na ba prétention et tu ne maîtrises quasiment rien mais je mérite nous le motif du refus l'objectif c'était quoi c'est l'histoire politique je mérite quand même passer à l'essentiel donc qui mettre awa a kolobé té au nom boyé na boyé grâce présidentielle, ils ont les prérogatives à chef de l'État. On a ébika limite avocat de y présenter. On a bandé causé là. Après cette disposition constitutionnelle. Mais on peut sentir étalé dans la confusion. On a consommé pour nous déconner ensemble. A ébaké grâce présidentielle. Vous pouvez faire la lecture, Madame Naomi, et puis on a continué à argumenter. Grâce présidentielle, conformément à l'article 87 de la Constitution, ils allient vraiment la prérogative des chefs de l'État. Donc, ce chef de l'État a jugé à Salamotomo au faveur, quel que soit Kazaki condamné ou pas, en tout cas, chef de l'État, c'est là. Non, mais papa, mais je vous dis les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Le droit, c'est avant tout le prescrit, papa. Ce qui est au Koloba Makambo, qu'on maîtrisait, c'est ton problème. Par rapport à votre question, Madame Naomi Pila, n'ali vraiment un chagrin makasi. Chagrin ango ezali komona régime Oyo et sali opposition pendant 37 ans. Mais une fois au pouvoir, na 4 ans à Pamba, to komona prolifération. Il y a un détournement, le lingue Eko Salema, Eko Sala Passi, Eko Sala Soni. Non, tu koloba été, papa Etienne Tshisekedi, Atikila Bisso, testament, Oeko Tambo la vidéo, Mboka, Eko Koufa Likolo, Akimoibi. Donc, tout le monde espérait qu'une fois IDPS au pouvoir, l'État va renaître en combattant le détournement. Mais malheureusement, IDPS au pouvoir, Tokoyo Kakaka, détournement, détournement, corruption, détournement, détournement. Mwana Mboka, il a fallu attendre moins de 100 jours IDPS au pouvoir pour Tokoyo Kaete, Mbongo Oezaki alloué un projet à 100 jours dirigeance et Zala Bongo détourné. Il a fallu attendre quelques temps après pour Yokara qui était mon projet Tilengelou détourné. Quelques temps après, Tovandi Soussoubouetou, Yokanini Ote, Mbongo, Oezala Kipo, Namakambouya Covid, le ministère de la Santé détourné. Moi, Mboka, Toko Kinde, Wapi.
Bayebi, pe, je crois bien, moto à l'île Bosso Nangazali, moto à Mibeko. Détournement, ils allaient faire au babengaka pénitentiaire. Ils allaient faire au yo, ils allaient incriminer. Moto à commettre, fait wana, ton comportement wana, il faut à Zalabongo sanctionner conformément à l'article 145, il y a code pénal, il y a un mot cannabiso. Mais pourquoi, bah, et banso, oyoto, koyo, kakatango, midi, pourquoi, bah, kozalaka impliqué dans des tournements, sanction à Malonga et kozalate. Raison pour laquelle, toko récidive dans français, na lingala donc, toko balou kaka, toko bandelaka. Kaka na même réalité. Mais effectivement, vous savez, si le régime de M. Joseph Kabila, le président sortant, a échoué, Batuming Bataxango, bon, la mauvaise gouvernance, oui, aussi un peu une politique totalitaire, on peut aussi dire oui, mais le régime actuel, le régime de Félix Tshisekedi excelle en détournement, avec comme mention plus de 80%. Oh là là. Donc, bako excelle en détournement, ou tababanda, mon amboka alingete, asalina tweet ke abaye. Tango, bako dénoncé que ba détourné mosolo à l'État. Bato oyo esengeli baza la déféré liboso ya banzuzi so ba komi kuna soit munzuzi ayo zui appel soit munzuzi amoni ete azali tellement proche ya azali tellement camarade ya basel nini batikie donc mwana mboka lingete a se sentir offusqué malgré mosala oya ko sala partout inaye par rapport saboter mosala IGF par rapport il y a ba compétence na ina ba effort na ya ko sala mais ba ko mona résultat et ko sala escompté. Donc pour dire que le régime actuel a lamentablement échoué dans sa mission de pouvoir combattre la corruption, le détournement. Et il ne faut pas oublier que le président Félix Tshisekedi dans son projet de société aloba qui était dans 10 ans alors comme Sambo Kanabiso n'a 100 milliards, c'est-à-dire 50 milliards dans un quinquennat. Et bah, tout n'a qui est manière ni de mobiliser Mbongo, alors qui a combattre bah, détournement, à combattre bah, corruption. Mais malheureusement, est-ce que le lot qui est au na misu na miso, na moto union sacrée, ça a été régime eco ici. Il a échoué sur ce point? Mais lamentablement, bah, ça lui mentionne que ça y est. Plus de 80% bah excellé na makambo etali corruption détournement mosolo ya l'état trésor public et ko saigner mo la mboka comme si bah ko ko souka kaka na corruption na détournement mais lelo oyoyo peuple congolais a joui pas si collé quand même na détournement c'est-à-dire bah escroqué de manière directe na auto oyoka ki ram donc voilà qui na mosolo na téléphone au sombi crédit bah ça ligné Ezali union sacrée, Ezali pena bilan union sacrée, nango bilan akati po Ezali pe membre union sacrée. Tolongwe wana. Bas comme si ba ouvrir ko souka wana, l'état za na prérogative ya ko sécuriser population na yi. Lelo to monas escroquerie à siècle. O to bengi bindo de my god rêve. L'État, oh ya solo solo ko prône état de droit. Normalement, Sengeli a protégé population naïe, na ba escroquerie à l'olenge wana. Mais régime actuel, et ça la ni na ba oh ba escroqua population. Merci, merci. Toyoka, koutouke non, ba zala na ba affinité, na ba eban, ba tomisousu ya régime ya union sacrée. Ça reste à vérifier, donc, merci. Donc, pour te dire que ce régime doit être sanctionné. Et sanctionné en haut, et Sengeli et zala par de zirne. Par de voies judiciaires et voire même par de voies populaires. Et c'est n'est pas qu'elle est en retraite politique. Surtout, moi, je le rôle à Ngobila. Le long Ngobila, comme si ville à Kinshasa. Merci, merci, merci. Ngobila, ça, il y a une ville à Kinshasa. D'ailleurs, moi, l'amboka Naomi, moi, Providence Lokouli, activiste pro-changement, membre du mouvement citoyen Filimbi, initiateur de la synergie Archa, j'ai dit et j'ai décrété une campagne contre la malgestion, la mégestion de Ngobila. Oh là là, merci. Ngobila doit partir. Merci. Moi, je suis Christian Mayassi. Calmez-vous plutôt, calmez-vous. Non, mais je ne suis pas un Kinois. Moi, je suis Christian Mayassi. Le loi est au bas de détournement. Justice réatalisée, taux justice politisée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que photos et la sanction contre le détourné Bongo sur le peuple? Bon, avant de répondre, je suis un activiste.
cause là que l'assemblée provinciale on va destituer Ngobila et ça n'y passe. L'union sacrée n'existe pas. L'union sacrée n'existe pas à l'assemblée provinciale. C'est la dynamique Ngobila. Ngobila n'attendait pas que l'assemblée provinciale Luana Bayako Bataille Mpembeni et Osimbate. Donc il faut même pas espérer dans l'assemblée provinciale Luana. Comme d'habitude, Bande Konabiso et l'Oyoloba sur Moïse Katumbi et Zalakali comme nationalité douteuse. Donc tout ce que vous avez à dire sur Katumbi et Zalakali comme nationalité. À part ça, vous lui reprochez rien du tout. Mais étude, peu étude. D'accord. Il a quel niveau d'étude? Madame, Bengabiso Awadande Kotoya, na Lakisaye, Makambu Oyo, Alingi a évoqué Sikoya. Hein? Donc Moïse Katumbi a sala Chekula na Potote. Ah, là qui coopérant la Belgique. Étude ni la salle. Mais n'a joué ça. Paraître Moïse Katumbi a une licence en criminologie. Ah oui. Ah, mais tu as posé une question. Tu as posé une question. Oh, tu as quelqu'un qui vient de rencontrer Moïse Katumbi, monsieur. Tu as quelqu'un qui vient de connaître les origines de Moïse Katumbi, monsieur. Parlant de la nationalité douteuse. Pose la talade de Kotiseke dans la caméra. Yebisaye, monsieur le président, comment on peut sa passeport congolais dans Moutouasa, la nationalité douteuse, poison en Ambo Kanabiso. Pose à Félix Tshisekedi de la question. De résidence. Monsieur le président de la République, c'est congolais, c'est monsieur a une nationalité douteuse, il peut sa passeport congolais poison en Ambo Kanengene. Moïse Katumbi a la nationalité congolaise d'origine. Maman Naye Azan de Konabiso Katangaise. Son nom c'est Virginie Mwenda. Je te donne des éléments, papa. Botika Masolo ya ba réseaux sociaux na ba se anzete. Moïse Katumbi est né sur notre sol. Maman na Virginie Mwenda, ça tombe là au Katanga. Allez poser la question papa. Donc la nationalité de Moïse Katumbi, yango nezo sala débat parce que vous savez que en termes de gestion, il est irréprochable. Tomoni Katanga n'est qui gérer. Ce qui le gouvernant Kabula vient après pour continuer le travail, c'est la continuité de l'État, c'est tout à fait normal. Moïse Katumbi n'est plus gouverneur du Katanga, ça fait aujourd'hui 8 ans. Olingaka Salanine, Ayaka Gosala rentretia Banzela. Donc moi je pense qu'il ne faut même pas parler de cette histoire des pères et des mères. C'est une fausseté. Et puis vous montez à la population, vous avez sa population. Vous dites sa population que Louawane Yagi déjà dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est Boyaki Yango. Ça vous ne le dites pas. Pour supporter ou affronter Moïse Katumbi dans l'élection. Oh. Bah, Congolais, bah, ça va se battre. Ce qui va y avoir dans la nationalité douteuse, va voter été. Vous avez accepté de l'avoir comme gouverneur, alors laissez-lui ce droit-là de postuler. C'est un citoyen congolais, Botika Bakiba Congolais tranquille. La question. Oui, par rapport, il y a un détournement. L'Ikamboa détournement, madame, et ça la passe. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'avec l'UDPS au pouvoir, bah, détourner Mengaye Banaro Salamane et Zosalamabo. Ce n'est pas l'école de Tien Tshisekedi. Yangongana Lobarake, le Tshisekedisme est koufa. Depuis le 1er février 2017, tant on ne voit Tien Tshisekedi, a koufi na Tshisekedisme naye. Autre chose à revivre, c'est le fascisme, le bétonisme. Donc, il y a un système, il y a Batoubaza, on a pour un intérêt dans Bango partisan. Et puis, il ne croyait pas à Bissou. À ça, il a Bissou à ta liste. Il y a 5 personnes au bazar dans ma cala, les lots parce qu'ils ont détourné. Alors, comment même pas na 4 déjà, Snell. Oui, mais quand tu auras ton temps de parole au PSA, 5 personnes. Aujourd'hui, la liberté provisoire, il y a un commis échappatoire pour n'avoir détourneur. À vos côtés, à Sali, un mois, liberté provisoire, abîmé, même si c'est l'État, ils ont mon anaté. Donc, nous pensons que, avec ce régime, nous allons partir kakaboye. Donc il est grand temps de se préparer aux élections pour mettre ces gens ici, ce régime ici, Ndeko Tshiseke, Dilengo Bilaye consort, Libanda ya Masolo ya Congo, pour que tout pèse Mboka na bato ba yebi réellement Kosala Moussala. Très bien. Mon Mboka Ndeko Gauthier, rapidement. Willy Bakonga dit que c'est le président de la République qui l'a libéré. On a Ezama Lobana et Moko. Mais il y a détournement à 100 jours. Détournement à Tile Gelo. Il y a aussi ça pour que détournement comme à Tena projet 145 territoire. Pour y'a un peu de makasi. Il y a un peu de Mboka Mobimba. Il y a détournement. Il y a un peu de détournement. Il y a un mécanisme pour que le projet soit un peu détournement. Merci beaucoup, madame. Et puis, il y a la sanction. Je pense que c'est celle qui dirige le débat, c'est madame Naomi Pila. Nous devons laisser la latitude d'être arbitre.
Neko, si j'ai commis une petite erreur de réflexion pour dire que Mbouté 59 c'était Mbouté, parce que c'est illogique, parce que Mbouté 59 n'était pas là. Peut-être l'abscisse à Oloba n'est églissé. Je le connais scientifiquement, il faut le connaître. C'est une erreur peut-être de Oloba. Quand on m'a monté pour le gouvernement, c'est argumenté, non, parce que tout le monde connaît les 1959, Mbouté n'était pas encore au pouvoir. Mais je vous ai dit que le 4 janvier 1959, c'était l'histoire de déclarer l'indépendance de notre pays par l'entremise de Abako et Abako. C'est ça l'histoire politique. Mais à la fin, n'hésitez pas s'il est de quel mouvement citoyen. Ils ont un mouvement citoyen qui n'ont aucune personnalité juridique. Ils sont en train de vivre comme ça dans un vase clos. Il dit, avec. Tu es la plateau, tu es au théâtre. Non, c'est un théâtre. Non, j'ai décrété. Vous avez quelle qualité, vous? Un seul individu? Oui? Non? Je vais déclarer qu'il y a un gobi la part. Quel mécanisme? C'est pas de quel mécanisme? Et qui lui a donné le mandat? Il y a peuple là, le combat peuple là, qui a donné le mandat? Donc c'est-à-dire que pour agir, on a combat peuple, il faut un mandat. On a un mandat voté pour le peuple congolais. J'ai évoqué ici que le chef de l'État, parmi les prérogatives qu'il a constitutionnellement, il y a aussi une prérogative, il y a obligation de la prison. Elle n'est pas à disposition pour la satisfaire. Donc, on a aussi le lobby. Madame Naomi, vous voyez bien le régime, il y a Kabila 18 ans, un individu touchait 50 000 dollars, carte visa, Massara Moussalaté, n'a jamais été mis à la place publique. Parce qu'à l'époque, il y a un bon moment entre eux. L'air mon conjambo qu'a Félix a un pouvoir. Ce qui est difficile, c'est quoi? Bah on dit ma lingette, mais papa on dit ma mouton installé la lingette pour ça moussala. C'est une analyse contradictoire. C'est lui qui a valorisé aujourd'hui les services y a à lingette aujourd'hui sur le président Félix. Maintenant, lingette, c'est le moussala babakoti prison babimi na bango bongo. Mais ce n'est pas lingette, c'est pas lingette d'aller financer la justice. Lingette fait le travail de faire la justice. Il y a l'indépendance de la justice congolaise. Et d'ailleurs, quoi, sabotage, puis Amoussa. Même pas sabotage, si la justice Amoussa, la justice, il instruit à charge ou à décharge. Si la justice Amoussa, donc il faut le lot. Bon, bien, mon cousin, merci parce qu'il a valorisé IGF. C'est un service qui existe déjà plusieurs années. Le lot, on a parlé parce que mon cousin, Boka, a valorisé. Mais vous devez respecter Ngobila dans ces pays. Il est arrivé au pouvoir, il a fait 3 ans et demi. Au mois de mai, il fera 4 ans. Il a construit l'Engesa. Il a construit qui quitte, il a mis les éclairages publics, il a créé l'entreprise qui traite les immeubles, les déchets. N'importe quoi, on avait la ville qui tient ça. Éclairage public WAPI. Mais allez-y, vous ne circulez pas, Ndekolangaï. Par les cas où on a que les éclairages publics, ils ont matamoké, moqué, la ville qui tient ça. Autant que Kine Bopeto, tu vas reconnaître que je suis. Non, Kine Bopeto, c'est un projet. C'est-à-dire que l'éclairage public est dans Kine Bopeto. Ah bon. C'est-à-dire que Kine Bopeto, c'est une vision phare, n'a pas de vision de Sunakat. Mais. Non, madame. Non, on ne peut pas développer Kinshasa en Akatia 4 ans. C'est lui qui a fait 12 ans à l'époque Kimbuta. Ah, laisse Kinshasa dans quel état? Donc, il n'y a pas mal de comparer la gestion de Kimbuta et la gestion de Ngobila aujourd'hui. Non, mais nous sommes en train de continuer pour l'état, en train de servir l'état. Toi, tu es grand public. Ah, bon, ça va là. Donc, madame, ne quoi, Katumbi, tu es grand public. Non, vous supportez Katumbi. Ici, la question est juridique. Katumbi ne respecte pas les constitutions, les dispositions constitutionnelles. Quel dispositif? Article 70 de la constitution. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Katumbi a la nationalité. Katumbi a une nationalité douteuse. C'est faux. Donc, il y a un problème. C'est faux. Ne voulons pas qu'il m'en va tout le monde. A outil, on va congolais pour bâtir le couteau dans le monde. Oh non, Katumbi a ça, licencié en criminologie. Oui. Quelle université? Tu veux que je te donne... Oh non! Il faut dans l'université passer. Moi, Maître Gauthier Sopambou... C'est à madame de poser la question. Moi, Maître Gauthier, si je suis... Si elle me pose la question, je reviens. Moi, Maître Gauthier Sopambou, je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. Au cours de ma camarade, dans la bataille, maintenant, Maître Gauthier Sopambou... Mais lui, dit Katumbi est licencié en criminologie. Quelle université? Que madame me pose cette question, voilà. Je réponds. Donc, ne faut pas dire les choses pareilles. Et vous avez qualifié des choses aussi graves. Des autres biboyés. Ici, Ndeko Katumbi doit être conséquent de sa nationalité. Il doit dire au peuple congolais clairement que moi, Katumbi, Moïse Tchapwe, j'ai la nationalité étrangère, je ne peux pas diriger la RDC. Merci. S'il vous plaît, merci. Quelle nationalité étrangère? J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça énerve la constitution pour ne pas matière électorale. Et monsieur Sili, s'il vous plaît. Et monsieur Sili, mot de la fin, moko, te rejoins. Une minute. Non, c'est pas là, ils ont la mot.
par rapport il y a des électeurs tout la population pour tout ça déjà coquin na makonomi en 2023 bande ko bazali ko s'enrôler nazo se ngape ba s'enrôler moi na mboka il y a mouvement citoyen votre mot de la fin est-ce que le calendrier électoral est allé ko rassurer ko jour élection na le 20 décembre 2023 et un mot à la population congolaise on y met rapidement madame Naomi Pila ben vite fait na ko pesa ndeko tonga ko tunanga na ko loba tant que to na qualité nini atant article 5 a ba été article 5 a constitué le biété le peuple congolais est souverain c'est la souveraineté comme la souveraineté appartient au peuple par rapport il y a notion par rapport il y a national par rapport il y a notion o ko tuna voilà Moïse Katumbi boye boye na ko c'est atant article 10 article 10 a constitution et définir nani ali na ali congolais d'origine na ni ali TP ali na été abanda ko page ko tergiverser awa ko le baba blo moi ali ironé ben na ko le ba par rapport à processus électoral mot d'ordre et ali moko et ali été contrôle citoyen populaire tu es bien été moi na mboka kadima ako sala makambu na ye na lulenge na ye akiteti n'a pas parrain politique naïe, mais buso peuple congolais, tous à la toujours vigilant, tous à enrôler, tu es bien été baro kende, baro koma, baro koutana, namir, baro souka, baro toutana, parce que tu es pexa ibango, tu es pexa ibango, il y a de préalable, il y a un moto comme si tu commis les lots, tu es pexa ibango, il faut un bureau sérieux, bah tu es biso bureau moko, o ezali, na le lengo et côté la qui. Biro moko ezali monocolore to komona kaka union sacrée na union sacrée na kati non opposition etikala rozalate opposition etikala rozalate FCC mandata motote la muka mandata motote président la bango yemo kadima le lenga à côté là catholique à kamwa le lenga à côté là SCC à kamwa donc pour vous dire que ba ko kende le lenga ba ko kende ba okutana na mir parce que moto Mato et les kakamotou. Et ali le lengue au bango, bako sa la politique na bango, pour bazoa à tout prix deuxième mandat, mais peuple congolais, a koza la wana, na surveillance citoyen, que le maire gagne. Ceux qui n'a le lengue à solo, ba voter mon lambo café tisekedi. Toro beta ma boko. Mato, ko bo yande, et loko, babo, o babengi fraude électorale. Oyo IDPS a déploré en 2006, a déploré en 2011. Yango anabiso, toko déploré, peto ko déploré na ma ponomia 2023. Très bien. Mon lambo ka Christian Mayassine, ensemble pour la République. Un mot, la population congolaise par rapport au processus électoral. Bon, processus électoral, nous avons invité la population à se faire enrôler massivement parce que les changements que nous attendons tous passera par les élections. La ligne a rassuré les Congolais, Bazali Kolanda, que Moïse Katumbi à la ligne de Kolabiso Congolais, a tiré la nationalité Moussou Souté. Au hasard, la preuve, il y a la nationalité Moussou sur Moïse Katumbi, Aya Kobrandir en Otomone. Sa mère, Ndekonabiso Katongaise, Virginie Mwenda. Moi, j'étais là, j'ai vu sa tombe. Ce qui m'a dit que Moïse Katumbi a une mère de nationalité, Moussoussou, Boyana Kombo ya Mama Wana Awa. Donnez-nous les noms, arrêtez de spéculer sur les réseaux sociaux et tout ça. Oubliez cette histoire, Magambo, des pères et des mères, tout ça, Ndeko. Moïse Katumbi sera candidat et nous pensons qu'il sera élu parce qu'il a un programme sérieux. Il a de l'ambition, il a des initiatives, il a une machine autour de lui qui va l'emmener jusqu'à la magistrature suprême. Donc, Maneko, Botika Kobanga, vous allez avoir Moïse Katumbi comme candidat. Bobunda, soyez bolongi, bolongi, bolongi. Union sacrée, Zobanga. Mais, au moment que depuis tout le mois, Union sacrée, Moïse a Kosoli, a Kosoli. Alia Madesu, Alia Madesu. Donc, tout ce que Moïse fait est commis au sujet au sein de l'Union sacrée. Très bien. Ndeko, Gauthier, il y a ACP. Maître Gauthier, votre mot, Ndeko, Union sacrée. Par rapport au processus électoral, un mot à la population congolaise. Madame Naomi, Moïse Katumbi peut être député, c'est pas de l'article 100D de la Constitution, qui dit peut être candidat aux élections législatives, être congolais, parce qu'il y a un. Mais l'article 70D bloque Moïse Katumbi. Il peut être député avec la nationalité douteuse. Non, non, mais j'ai dit ceci. L'article 100D de la Constitution dit, pour être candidat aux élections législatives, on doit être seulement être congolais. Donc, il est on peut être d'origine ou d'acquisition. Faites ce que nous sommes. Il est congolais. Mais je vous évoque l'article 70 que Moïse Katumbi a un souci en égo l'écaté. Même s'il n'est pas la réception de sa candidature. Yo c'est ni. Donc égo l'écaté. Pour qu'on a compris, Bisso Tobenga, peuple congolais, en s'enrôlé massivement. Parce que nous allons vers les élections. Ils ont plus le discours. Le trait est en marche. Tout ça roule massivement. Bisso bato ACP.
nous allons donner le chef d'État une majorité écrasante pour qu'après 2023, tout ça la majorité mon corps confortable pour que tout ça vive. Faites place à la rassurer que le 20 décembre. Non, mais les élections, les traits à marche, moi je suis pas un technicien, mais je vois les traits à marche que les élections auront bel et bien. Mais quoi que c'est bel quel tel que élection vampirique. Mais parce que dans mon avis, mon équipe, moi c'est Nani, évêque Nani Ambongo. Ambongo Lobby, à qui qu'on soit relais, il a félicité la qualité et le travail à Séni. Donc aujourd'hui, les débats, si les petites questions liées à la technicité à Séni, trop se posent parce qu'il est très en marche. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Yafilimbi. Merci, monsieur Providence. Merci, madame Boka Christian Mayassi. Merci, maître Gauthier. Et Zayaki Pona Congo, Volanda Kibiso partout dans le monde. Merci, Mingi Nabino. Bobé Sarabiso, Tango Nabino, tout réfléchir. Na au état du bon développement. Il y a Mboka Monene, Mboka Nabiso, patrimoine commun Nabiso, République démocratique du Congo, Tolinga Congo, Ninganaloba, toujours. To. Batira, peut-être Tonga Congo, mingi intégrité territoriale, yambo kanabiso. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Le Congo avant tout. Pour la Congo, on se retrouve demain. N'a pas invité, on se soumet toujours. Avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.